J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très agréables fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous évidemment une très 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 agréable année 2020. Santé, amour, surtout la santé, on ne le répète jamais assez. Un petit peu de pépette pour améliorer le quotidien et continuer dans la bonne humeur comme on a un petit peu dans la continuité des choses tout simplement. Moi je suis allée chez Noz, bien évidemment, hein, les vieux travers reprennent et je vous présente ma vidéo tout de suite. On commence par ceci. Il y avait plein de diffuseurs comme ça de cette marque-ci. J'en ai pris deux différents. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les diffuseurs. Hein, vous le savez, je vous en présente dans quasiment chacune de mes vidéos Noz. Dès qu'il y en a, j'en trouve. C'est de la marque Gisela Graham. London. Apparemment, c'est une personne qui fait pas mal de petits objets, même des objets de déco. Et là, j'ai pris le diffuseur Gin Tonic et j'ai pris le Fire. Le Fear, voilà, pas le Fire, le Fear. Ils sont super beaux à l'intérieur, donc j'en ai pris deux à 2,50 le diffuseur. Hein, donc autant dire voilà, 2,50, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Je vais juste regarder par esprit de curiosité. Vous avez donc tous les petits bâtonnets, voilà, et vous avez la bouteille qui est juste magnifique. J'ai également dans la même gamme, il y a voilà, ils sont magnifiques, voilà. Et dans la même gamme, j'ai acheté également la bougie. Vous voyez, il y a du plus clair, il y a du plus foncé. Voilà, ça c'est une gamme, ça c'est une autre gamme, ça c'est cette gamme-ci. Voilà. Et cette bougie, pareil, était à 1,50. J'ai déjà commencé à la brûler un petit peu, elle diffuse. C'est pas, pour l'instant, j'ai très peu brûlé. Mais franchement, ces produits-là de cette gamme-ci, vous aviez les bougies, vous aviez un peu tout. Et je trouve que c'est vraiment une très très jolie gamme de 50, 1,50€ les bougies. Je sais pas où je vais avec tout ça, si déjà je m'étale. Il y avait plein de produits de cette marque-là. Franchement, si vous aimez les bougies, les diffuseurs, etc., c'est le moment. Dans les Noz, il y en a plein. J'ai trouvé à 99 centimes des Amariti. J'aime toujours avoir des petits biscuits comme ça. Si j'ai du monde à l'improviste, ne serait-ce que pour le café. 99 centimes, je vous ai dit. On continue dans la nourriture. J'ai pris des olives sans noyau, sans liquide. Voilà, à 70 centimes de la marque Crespo. Voilà, j'ai pris des noirs. Ça, j'aime bien. Quand je fais des pizzas, j'ai envie de faire des pizzas et j'adore, on adore les olives, même à l'apéro. J'ai pris des olives vertes, dénoyautées, pareil. Ça valait 79 centimes également. Là, vous avez encore le liquide. J'ai pris ensuite parce que bientôt il faudra refaire ma couleur et j'ai envie de toujours ce style de couleur. Là, vous avez pile la bonne couleur en luminosité naturelle. Donc voilà ce que ça donne. Elles étaient à 1,99. J'ai eu de la chance, elles venaient de les poser. Donc autant vous dire que c'est vraiment de la chance parce que sinon tout aurait été détruit. J'ai pris Acajou Chatoyant. Je vous remonte la couleur. Et c'est de la marque Rubella. Il y en a souvent dans les Noz de cette marque-ci. Pas mal du tout. Je vous ferai toujours mon retour dans les produits terminés. Vous savez que je suis une aficionada de cuisine. J'adore la belle présentation également parce que je trouve que ça fait tout dans l'assiette. C'est d'abord les yeux avant que ce soit le palais. Et j'ai pris cet emporte-pièce. On en trouve très souvent des ronds. Et là, j'ai pris un carré. Et la dimension, c'est 6 par 6. Je me dis, ne serait-ce que pour dresser, j'ai été au resto très récemment et j'ai mangé de la paella dressée à l'emporte-pièce, comme ça, avec le pilon de poulet dessus, les petites moules, les fruits de mer, enfin, super joli. À 75 centimes, ça peut que valoir le coup, très honnêtement. Voilà. J'ai pris ensuite, parce que toujours dans les sans-bons, j'ai pris une comme ça pour la voiture. J'en avais déjà pris un, je ne sais pas où il a été égaré. Hein, voilà, à 75 centimes, fraîcheur citron. J'ai pris ensuite, parce que nous avons un poêle à bois, bien évidemment, j'ai pris des allumettes géantes. Je trouve que c'est toujours super sympa à allumer. Elles sont réellement de cette taille-là. Je vais vous en montrer un. Il y a deux paquets, hein, comme ça, avec le grade-grade de côté. Et elles sont tout juste énorme et assez épaisse. Voici la taille de l'allumette. Voilà. Je trouve super, super sympa. Et ça évite que vous vous brûliez les doigts. C'était donc les deux à 1,20€. Voilà. Donc, je trouve que ces petites choses-là, c'est toujours utile d'en avoir. Et j'aime beaucoup. Hein? Est-ce que vous allez être surpris? Non, hein? J'ai repris de la marque Viaggio. J'avais pris les oranges. Non, les violets. Là, j'ai repris les Expresso, les Verona.
Voilà. Ils sont très très bons, je vous les recommande. Hein, après, voilà. Hein. Ça vaut 99 centimes les 10 dosettes. 9 centimes la dosette. Il n'y a vraiment pas de quoi trop se priver. Hein. J'ai envie de vous dire, on continue dans les olives. Après le café, les olives. Hein, on a des goûts. Hein. C'est les olives à la provençale. Ça, c'était tout simplement pour mettre dans un panier garni. J'ai oublié de le mettre. Donc voilà, on les mangera. Ça casse 99 centimes. J'ai pris ensuite un liquide vaisselle. J'adore l'odeur de ce truc. J'ai senti ce truc. C'est addict pour moi. Enfin, franchement, ça sent le super liquide vaisselle. Enfin, j'adore. Ça coûtait que dalle, 59 centimes. J'ai regretté de ne pas en avoir plus. C'est de la marque Svelto. Avec du véritable jus de citron, apparemment. Extra dégraissant. Voilà. Vous en aurez des nouvelles dans les produits terminés. En prévision des beaux jours qui, j'espère, ne tarderont pas trop à arriver. Vous savez que l'hiver, c'est pas du tout ma saison. Hein. Donc, je me convainc comme ça. Pour mon jardin, 50 centimes. Plein de petits bulbes comme ça. De Armeniacum, je pense que c'est le nom latin ou grec, voilà, de la chose. C'est très joli en tout cas, j'aime beaucoup ça, en espèce de petit buis, très sympa. J'ai pris ensuite de la colle forte U. Il y avait un plein arrivage de produits U, des colles, des scotch, etc. 48 centimes un petit tube, je trouve que c'est toujours bien pratique quand vous avez des petites choses à recoller. J'ai pris, parce que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, recevoir et faire de très jolies tables. J'en avais pris deux paquets de ceci, mais j'en ai mis un sur mes tables de Noël. Et généralement, les personnes l'ont emmené parce que j'ai fait des petits cadeaux de table. Je trouve que c'est toujours bien pratique. Vous faites une enveloppe, vous mettez un petit truc. Ou quand vous voulez mettre, moi, c'était des marque-place que j'ai fait avec ça. Christmas Moment, ça valait 59 centimes. J'en avais pris deux paquets, le deuxième étant ouvert. Je m'abstiens de vous montrer. J'ai pris ensuite ceci, il y avait un plein arrivage aussi de cette marque-ci, Sensilis. Je ne suis pas allée voir sur internet ce que ça valait. Silhouette Expert, c'est quoi? C'est une crème raffermissante et régénérante pour rajeunir en un seul geste, crème corporelle nourrissante formulée avec des actifs d'origine naturelle sélectionnés pour une haute efficacité d'hydratation, raffermissante et régénérante, appliquée une à deux fois par semaine, éviter le contour de l'œil, donc je ne comprends pas. Possiblement sur le visage, mais je ne la mettrai absolument pas. Moi, c'est une crème hydratante. Hein. Je ne crois absolument pas au pouvoir du raffermissant si on ne se masse pas. Voilà. Je l'ai pris parce qu'elle ne valait pas excessivement cher. J'arrive quasiment au bout de toutes mes crèmes d'hydratation. Donc, 1,99€. Plutôt que d'acheter une autre, j'ai pris celle-ci. J'ai pris ensuite, toujours dans la botte, dans l'hygiène, j'ai pris un dentifrice. C'est de la marque Mentadon. Nouvelle formule, c'est soit italien. Voilà, ça valait que dalle ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va valoir. C'est 59 centimes le dentifrice. Voilà. J'ai pris ensuite, toujours dans la beauté, j'ai pris un petit ciseau comme ça, de couture, parce que je m'y suis remise. Figurez-vous que je vais vous faire une vidéo, probablement mes cadeaux de Noël. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais j'ai reçu tout un kit, parce que j'avais reçu une machine à coudre il y a des années qui a été remisée. Je l'ai ressortie pendant les fêtes. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour faire des sets de table. Et il me fallait une petite paire de ciseaux parce que je me traîne toujours une grosse paire de ciseaux. Et celle-ci est vraiment prévue pour la couture. Je trouve ça très très bien et ça valait 59 centimes. Voilà pour mon petit haul nose. C'est comme ça que je vais vous quitter. Pas maquillée, etc. Pas coiffée. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao !